Bienvenue sur JLIC Agencia de Viagens. Bienvenue sur JLC Agence de Voyage. Nous toujours prenons temps non pour nous saluer pour nous remercier monde qui a aidé nous, OK? Auditeurs et auditrices qui a aidé nous partager vidéo dans différents groupes dans Facebook. Nous toujours prenons petit temps pour nous remercier avant de commencer. Donc nous saluer, ça dépend des côtés où vous suivez nous, OK? Et capable de nous partager vidéo non yo, OK, nous remercions pour ça. Donc ou même qui déjà abonné avec channel là, donc continuer et de partager vidéo, OK, dans différents groupes, parce que but notre objectif non c'est pour nous capable atteindre plus monde, OK, parce que nous fait vidéo qui gain pour avec voyage, vidéo qui gain pour avec immigration, OK. Donc nous parler de plusieurs bagages. Donc jodi a nous voulons disons commencer en vidéo, OK, une série de vidéos pour nous parler de nous capable dire classement passeport Brésil. Nous allons pour nous faire vidéo, OK, pour nous parler de comment yon moun qui déjà au Brésil, comment moun sa capable venir, nous capable dire naturaliser brésilien. Donc avant toute bagaille ou même qui besoin billet pour sortir Las Américas, bien Ponta Cana pour venir Brésil en tant contact avec nous, ou même qui besoin billet pour sortir Las Américas, Ponta Cana pour aller Mexique. Pas négliger contacter non et sous besoin billet tout pour sortir Las Américas, Ponta Cana pour aller San Salvador, Belize, contacter JLIC Agencia de Viagens et tout le monde qui Chili qui besoin billet pour sortir Chili pour aller Mexique, entre contact avec JLIC Agencia de Viagens. Donc jodi a nous voulons ouais comme si passeport Brésil là de qui côté il classé, OK, qui côté le placer. Donc yon moun qui déjà au Brésil, qui déjà gon temps au Brésil, eh bien passeport Brésil là li gagne des avantages que li ba ou. Automatiquement ou gen possibilité pour naturaliser brésilien. Donc passeport a bon accès avec yon série de pays sans visa et c'est ça nous parle là jodi a. Donc Brésil tout moun connaît ça, donc c'est puis gros pays qui trouvé dans Amérique du Sud. OK, n'a pas pour nous faire vidéo sur Brésil même bien spécifique. Donc Brésil li trouvé dans Amérique du Sud. Je ne veux dire qu'on paquet de monde qui vient entre États-Unis. Disons bien qu'il est au fin entrée, il y a marché par le Brésil mal, mais c'est grâce à Brésil. Parce que si au pas Brésil, nous pas t'ap entrer États-Unis. Donc Brésil t'a ouvert porte pour entrer la Kaili et jodi a eu gen chance pour entrer États-Unis, c'est grâce à Brésil. Donc nous pas gen pour nous parler Brésil mal, OK, parce que Brésil fait nous bien, nous pas gen pour nous parler yon pays qui fait nous bien, nous pas gen pour nous parler pays ça mal. Donc nous dit Brésil, classement du passeport du Brésil. N'a pas ouais passeport Brésil là comme si qui côté le classe. Il dit le passeport brésilien se classe actuellement à la 21e place selon les guides passeport, OK, passeport ranking index. OK, il est classé à la 21e place pour pays donc on est qui existe, pour quantité pays que donc on est qui gagne. Donc passeport brésilien il est classé à la 21e place. Ça veut dire quand pile pays qui l'ont vu un passeport ça coucal avec passeport Brésil ça sont pas besoin visa. Il y a des pays où besoin visa mais c'est là où arriver dans l'aéroport. Il y a des pays tout où pas besoin aller dans l'aéroport, aller dans consulat pays ça pour faire demande visa ou seulement monter sur internet ou tirer un visa électronique pays ça sans ça ou le bureaucratie, c'est seulement monter sur internet et puis pour tirer visa électronique ça bien facile. Ça veut dire les qu'on gagne passeport Brésil là, il boire ça avec conseil des pays qu'on pas besoin tirer visa pour aller dedans. Il permet un accès sans visa à 171 pays. Le moment ça n'a pas de là de lui permettre yon accès sans visa à 171 pays côté qu'on pas besoin visa pour aller dans pays ça.
avec un score de mobilité élevé. Avec un score de mobilité élevé, c'est l'un des passeports les plus convoités au monde. Donnez passeport Brésil. Je dis c'est un passeport qui est convoité dans le monde là. Et toujours dit ça, les m'a fait vidéo. C'est haïtien qui pas connaît valeur et importance Brésil. Alors c'est pas tous les haïtiens. Quelques haïtiens qui pas connaît importance et valeur Brésil. Donc Brésil bail haïtien yon visa pour venir vivre au Brésil. Et c'est seul haïtien Brésil bail visa ça, même yon français pas ka joindre visa permanent, visa pour vivre au Brésil. La rentrer au Brésil comme touriste. Processus pour gagner résidence là n'est pas aussi facile. On te croise avec un français une fois dans un métro et les qui me dit que me vient un visa permanent, il est étonné parce que lui-même il est venu comme touriste et pour te gagner river gagner résidence Brésil là, il était obligé marier avec un brésilien, avec une brésilienne. C'est pas bagage qui facile. C'est parce que visa permanent Brésil retire tout ça que tu as fait visa ça difficile de façon pour haïtien qui a bénéficié visa ça pour venir. Ça veut dire c'est pour visa qui est facile parce que il pas seulement bon accès pour venir travailler, il bon accès pour venir faire entreprise. Et on paquette notre pays, les chinois, les japonais qui viennent au Brésil ça veut faire business. Mais peut-être ça il pas facile pour eux pour venir pour gagner visa permanent parce qu'il y a venir investir dans pays. Mais nous même haïtiens, puisque c'est travail, nous avons travail seulement. La majorité de nous-mêmes, eh bien, les vins fait nous pas bail pays à valeur. Et pourtant, gain en temps, visa Brésil là, c'est facile. Qu'on y a difficile, qu'on y a pas qu'être monde. T'as besoin de vin Brésil, mais pas facile. Et gain en temps, pas gain monde qui te veut. Donc, Brésil, c'est un moyen, n'est-ce pas? Pour être capable de dire pour sortir, bonne possibilité pour sortir. Donc, nous disons qu'il permet un accès sans visa à 171 pays avec un score de mobilité élevé. C'est l'un des passeports les plus convoités au monde. Ça fait l'ICU un passeport qui est plus convoité dans le monde là. Parce que il a accès, il a possibilité pour venir ouvrir entreprise dans le pays. Ok? Les détenteurs d'un passeport brésilien bénéficient d'un accès sans visa ou avec visa à l'entrée à des pays tels que le Royaume-Uni. OK? Tels que le Royaume-Uni. Les Émirats Arabes. OK? Les Émirats Arabes Unis. La Russie, l'ensemble de l'Union européenne. Donc, avec un passeport brésilien, n'est-ce pas, vous pouvez aller, n'est-ce pas, en Angleterre sans un visa. Ou café brésilien qui a fait 6 mois en Angleterre sans visa. Ou pas besoin de visa. C'est de acheter billet ou ticket ou aller en Angleterre. Ou ka aller dans plus que 27 pays. Dans l'Union européenne, tout pays qui fait partie de l'Union européenne, c'est de acheter billet, aller. Alors, c'est pas à habiter, mais c'est à faire touriste. Mais si vous voulez rester, vous avez possibilité pour créer une possibilité, un moyen pour aider. Donc, libre possibilité. Donc, cela leur permet de voyager quand ils le souhaitent. Ou presque dans le monde entier. Vous besoin de voyager, vous n'avez pas de billet. Voilà. Parce que chaque pays où vous allez visiter, vous besoin pour n'a fait qu'au besoin visa. Ça, on dit, j'ai tout menté. Ça, il y a problème. Mais là, vous besoin de visiter, c'est des pays, vous n'avez pas de billet. Voilà. Ça, c'est très bon. Donc, les détenteurs d'un passeport brésilien ont toutefois besoin d'un visa pour accéder à environ 58 pays. Donc, ouais, malgré ou capable d'aller dans 71 pays sans visa, mais il y a 58 pays qui ont besoin de visa pour aller dans. 58 pays ça y est, ont besoin de visa pour aller dans. États-Unis et Canada fait partie des 58 pays ça y est. Mais qui avantage encore ou gagne? Depuis un brésilien qui a un passeport, depuis un brésilien ou bien depuis un haïtien, qui est un brésilien, et n'est capable de dire qui brésilien, ça veut dire qu'il fait au Brésil et puis avec un haïtien qui naturalisé, il y a le même droit. Pas de différence. Il y a le même droit normalement. Et bien, depuis que brésilien fait touriste soit dans un pays en Europe ou bien là en Angleterre,
tounel tounel, a fait visa américain, visa États-Unis, c'est pas un big deal. S'il seulement prend passeport sans le visiter grâce pays, il seulement l'ambassade américaine ou l'ambassade Canada avec lui, il n'y a pas de refus. Parce que sous cal dans tout le pays, ça y est, pas là, mais ce n'est pas États-Unis où tu as visité. Il faut aller dans l'autre pays, il faut qu'on fasse touriste. Dès que vous faites touriste dans l'autre pays, c'est facile pour entrer États-Unis pour visiter. États-Unis pour visiter Canada. L'autre avantage qui gagne, là où gagne passeport Brésil, là, depuis où gagne visa américain, eh bien, ou pas besoin allemand de visa dans le consulat Canada. Automatiquement, un visa américain ou une liberté bien pour entrer au Canada. Seulement monter sur le site gouvernement Canada, tirer un document que l'État, État c'est une autorisation. Ou pas besoin d'un consulat à faire demande visa. Donc avec visa américain pour gagner. Donc c'est seulement monter sur si gouvernement Canada et puis ou tirer état qui c'est en autorisation pour entrer Canada. Tout brésilien qui gagne visa américain pas besoin al dans consulat canadien pour demander visa pour al Canada. Et depuis ou fin gagne visa à Canada tout deux fois, pas besoin visa encore pour entrer Canada. Chaque fois au compte Canada ou c'est monter sur gouvernement ou tirer autorisation ça pour entrer Canada. Ça veut dire depuis que tant qu'à visiter pays, on paye en Europe ou en Angleterre, tout retourner visa américain, visa Canada, pas un big deal encore, pas un problème encore. Donc, tant que j'aime ce style là, et les pays, n'est-ce pas, où un visa est requis, inclut notamment la Chine, okay, l'Inde et les États-Unis, le Canada. Donc, pays ça y est, les Allemands des visas pour aller, mais il n'est pas difficile. Donc, capitale Brésil, c'est Brasilia, ok, ok, et local. C'est UTC 5h. Indicatif, téléphone c'est 55. 55 c'est code. Ok, code pays. Hein? Mais chaque état qui a un propre code pays. Mais 55 c'est code pays. Hein? Population, maintenant il est estimé avec 206 millions. Ok, 206 millions. Je crois qu'il y a plus que 206 millions habitants. C'est un gros pays. C'est le 5e pays dit, en termes de superficie dans le monde. Là. Langue Brésil là c'est portugais. Ok, brésilien. Ok, langue brésil là c'est portugais. Et monnaie brésil là c'est real brésilien. Donc real, ok, c'est monnaie brésil là. On dit classement passeport c'est 21e position. Destination calée dans 171 pays avec passeport ça sans pas besoin demander visa. Mais passeport là ou calé avec dans 171 pays sans pas besoin demander visa. Maintenant, on nous voit rapidement accès sans visa. Ok. 128 destinations. Accès sans visa. Visa à l'entrée, 40 destinations. Visa à l'entrée, 40 destinations. Ça veut dire, vous seulement acheter billet ou aller le revenir dans l'airport là, sur le visa. État, c'est lui-même, je parle de l'imam, de l'ILA. État, c'est un visa électronique. Ça veut dire Corée du Sud, Nouvelle-Zélande, ok, pays ça yo. Eh bien, ou tirer état qui c'est visa électronique pour l'Inde. Nouvelle-Zélande, c'est tout près avec t'as capable dire l'Australie. Ou pas besoin allemand de visa dans consulat comme brésilien pour entrer en Nouvelle-Zélande, seulement monter sur site gouvernement, sur site immigration, sur site immigration Nouvelle-Zélande là et vous tirer état. Bien facile. Visa en ligne 14 destinations. Visa en ligne. Ok, 14 destinations. Et pour finir, visa obligatoire 44 destinations. Mexique, Haïtien, excusez-moi, Brésil était 40 Mexique sans visa. Mais cause avec dossier immigration. Donc, on va être brésilien, n'est-ce pas, qui vient à Fouetetio pour être capable d'entrer aux États-Unis. Eh bien, quand il y a Brésilien, il y a besoin de visa pour entrer aux États-Unis. Mais c'était bien facile. Donc, suivez jusqu'à là. Merci parce qu'on t'a suivi de près et de loin. La prochaine vidéo, on a bien pour nous commencer à parler de l'immigration. Merci. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné. Et si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant pour recevoir une nouvelle vidéo. Merci. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.